Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy VII. J'espère que vous allez bien, c'est le 50e épisode, et dans le précédent, c'était le 50e, évidemment, et il était énormissime. La cinématique qu'on a eue sur la fin, j'en avais des frissons. Surtout que ça se termine par Sephiroth qui est dans le bâtiment. Voilà, Sephiroth qui est dans le bâtiment, qui, je le rappelle quand même, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le début, de pourquoi Final Fantasy VII sur la chaîne, ce qui m'a donné envie de jouer à Final Fantasy VII quand même, c'est Sephiroth dans Smash. Voilà, je vais quand même, pour remettre les choses dans son contexte, j'avais déjà entendu, j'ai toujours entendu parler de Final Fantasy en tant que série, et en particulier de Final Fantasy VII, parce que c'est un très bon jeu, et effectivement c'est le cas. À l'époque où le remake était sorti, j'avais vu quelques... cinématique, j'étais allé voir par curiosité de trailer pour voir à quoi ressemblait le jeu, et effectivement ça m'avait l'air très joli, ça m'avait l'air intéressant, mais j'allais pas acheter une PS4 à l'époque uniquement pour ce Final Fantasy VII Remake. Et là c'est un peu la même chose, je vais pas acheter une PS5 uniquement pour Final Fantasy VII Rebirth, mais comme ça sort sur PC, au final je suis très content. Parce que les autres jeux sur PS4, PS5 ne m'intéressent pas. Donc bon, bref, je ne vais pas vous redire tout ça, mais en gros, ce qui m'a lancé à me dire, parce que ça passe, et puis après on oublie, et puis on n'y revient plus forcément dessus, mais ce qui m'a fait me dire qu'il fallait que j'y aille, déjà parce que mon amour des jeux RPG, style FF7, mais c'est parce que je me suis mis à jouer à Xenoblade quand même il y a 6 ans, avec Xenoblade, ça fait 7 ans maintenant, enfin bref, en 2017. Donc ouais, ça fait 7 ans. Avec Xenoblade Chronicles 2, je me suis mis à jouer au RPG, et puis avec la Switch, voilà, j'ai fait vraiment tout un radia de RPG, et vraiment, c'est typiquement le genre de jeu qui me plaise le plus. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse Final Fantasy VII à un moment. Et le fait que Sephiroth est arrivé dans Smash, avec son charisme inhérent, sa musique, je me suis dit, ok, va falloir que je le fasse, et vite. Et puis voilà. On s'est lancé, et je ne regrette absolument pas, et on va continuer ça. Donc à chaque fois que je vois Sephiroth, en gros c'est pour vous dire pourquoi à chaque fois que je vois Sephiroth, je suis en transe, parce que c'est le personnage qui m'a fait venir dans la licence. Donc forcément, alors maintenant que je suis là, Cloud il m'y fait rester, hein, je vous le dis très clairement. Mais Sephiroth c'est quelque chose quand même, il y a très clairement quelque chose. Toutes nos félicitations. Vous êtes maintenant un maître Shinra, carrément. Autrement dit, faire de la propagande. Bon. La publicité, voire propagande. Et ça a bugué. Ah, bonjour papy. Ce n'était pas Sephiroth. Je me présente, Art, pour vous servir. Bonjour Art. Ah. Cloud a l'air de le connaître. Le maire m'a demandé de venir à votre rencontre. Le maire de la ville, tu veux dire Domino, le toutou de la Shinra. Lui-même. Le maire de la ville de Midgar, fleuron mondial du génie Mako, j'ai nommé Monsieur Domino. Ouais, c'est pas le toutou de la Shinra. Système inhabituel dans le hall des médias visuels. Aussi, nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés. Bon, et qu'est-ce que le maire nous veut au juste? Oui. Eh bien, vous allez le lui demander vous-même. D'accord, monsieur Hart. On vient nous chercher. On doit le suivre alors. Faut croire. Si c'était clairement Sephiroth dans le couloir, hein, qu'on a vu. Hein. L'autre, il a fait tomber son thé là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire? Archives d'entreprise. Après, la Shinra, ils ont peut-être des explications, des justifications de ce qu'ils font. Hein. C'est que Xenoblade m'a bien appris un truc, c'est ne jamais se fier à ce qu'on croit voir. Hein. Ça, pour le coup. Bon, après, ça n'enlève en rien que le président, le général et tout, c'est des parfaits connards. Hein, mais... il y a peut-être un but un peu plus noble derrière. Quoique eux, avec eux, j'ai des doutes quand même. Le gros bouquin du milieu. C'est un pastacho chrétien. Va falloir faire plus original la prochaine fois. C'est quand même le seul gros bouquin. 4 fois plus gros que les autres. Le seul qui est rouge dans une rangée où il n'y a que des bleus. S'il y en a un qui t'appuie dessus, c'est celui-ci quoi. Et donc bureau caché. C'est ici. Et vous êtes majordome en fait, c'est ça? Jure, mec. Si c'est un piège, tu vas le regretter. Mais si vous voulez te buter, je pense que ils auraient fait venir 200 000 gardes et t'as beau être 3. Et si je te parle, vous attend. Tu me dis rien, ok. Alors allons-y. Monsieur le maire. Attends, on est où là? Oh, vous voilà enfin. C'est pas trop tôt. Ah, c'était donc lui. C'était le, c'est le maire lui. D'accord. Ah ok, c'est bien ça. C'est le maire, celui qui serrait la main. C'était pas le président du coup. Enfin, je parlais du président du pays, mais. Tu es le maire de la... Oui. Bah non, clairement pas. Hein. On va bien. Mais il faut... Tu t'attendais à quoi, Barrette? Grâce à qui êtes-vous arrivé jusqu'ici? Barrette. Oh, c'est pas la peine de me remercier. Après tout, bah à chaque fois qu'un garde vous a vu, et qu'une caméra vous a filmé, qu'un employé vous a dénoncé, j'ai intercepté l'alerte, je vous en prie. Mais c'est gentil, monsieur, mais pourquoi faites-vous ça? Alors, je vois, vous ne connaissez donc pas notre faction? On travaille pour Avalanche, ça vous dit toujours rien? Non. Ah. Ce n'est pourtant pas si étonnant. Domino travaille pour Avalanche. Regardez autour de vous. Maire de Midgar, ça pose son homme, mais pour la Shinra, je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré. Oui, ça c'est pas faux. Si vous vous traitez ainsi, ne seriez-vous pas en colère? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle? Ah, alors là, ça peut se comprendre. S'il vous plaît, donnez-nous accès au laboratoire. Les laboratoires? Bah, il n'y a pas accès, lui. Pourquoi hein. Vous ne visez pas le président de la Shinra? Non. Je la cherchais à Aerys. Une de nos camarades. Mais bien sûr, on pourrait aussi rosser le président, tant qu'on est là. Barrette, on va faire 2 sections. Tant que vous mettez des bâtons dans les roues de la Shinra, je veux bien vous aider. On y va? Je peux vous mener jusqu'au 64e. Arrêtez, je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut. On a pris à la carte. J'en ai bien peur. Je veux pas perdre ta position non plus. Mais vous êtes le maire. Je viens de vous expliquer. Oui, oui. Je ne suis plus guère qu'un prête-nom. Et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que classer leur paperasse. Rip. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai, je les aurai. Ok, il est un peu rancunier quand même. Enfin, ça se comprend, mais il y a un petit problème. C'est pas rancunier le mot que je cherchais. On respire. Oui. Faites voir votre carte d'accès. Tiens, vas-y. Ils vont forcément remonter à lui, hein. Ils savent que c'est lui qui fait des mises à jour. Voilà. Avec ça, vous pouvez accéder aux installations récréatives du 63e. Super. Et on peut pas aller plus haut? Et après, on fait comment? On pète la porte? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve. Il vous donnera une carte d'accès pour le 64e étage. Le mot de passe est... Domino, c'est le meilleur! Midgar a trouvé son sauveur. Des mecs comme lui, il y en a pas ailleurs. Ah non, ça c'est sûr, ouais. Waouh. Ça c'est du mot de passe très discret. Dites juste Domino et celui qui répond « C'est le meilleur !» Ce sera lui, notre collaborateur. Vous avez compris? Ok, ok. Bon bah Domino, hein. On va faire tomber les dominos. Monsieur Domino. Eh bien, RIP le secteur 7, hein. Le bien, c'est que ça change juste d'écran, mais c'est les mêmes images. Ça, c'est assez drôle. Mais on va se barrer d'ici, du coup, alors. Monsieur le maire. Je crois que le maire était un informateur. Ils auraient quand même pu nous le dire, ces gros abrutis du quartier général. Peut-être pas, non? Quand t'as quelqu'un d'aussi haut infiltré, même s'il sert à rien, en termes de puissance, il est quand même assez infiltré dans la Shinra, donc ça serait un peu con de griller l'agent. 3000 thunes, bah allons-y. Hein. Je suppose qu'il fallait que je descende, hein. Je peux pas repasser par le passage secret. Ah si. Ah mais c'est ça le passage secret, il y avait un escalier, mais je suis pas au courant moi. Ah si, ok, on est passé par là, ça a ouvert ça. Et c'est un escalier qui monte à l'étage du dessus. Ok, maintenant il faut que je reparte par là. Si j'arrive à trouver la sortie, voilà. Ok. On ne court pas dans les ascenseurs. Étage 69, laboratoire de Hojo, le fameux. Ah. Elle est au 69e. Mets-toi donc un peu à ma place, tu ne vois pas la pression énorme qu'on m'impose vis-à-vis de ça? Si je satisfais leur demande cupide, ils me laisseront tranquille. Et je pourrai enfin me consacrer à mes précieuses recherches. Enfin, c'est la dernière ancienne. J'ai besoin de toi. Ouais, reste silencieuse, t'as raison. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Ah. Je regrette tellement tout ce qui s'est passé avec elle. Donc ils ont tué sa mère en plus. Génial. Bien différemment si seulement elle était venue me parler au lieu de s'enfuir. Quel gâchis, vraiment. Perdre de cette façon la dernière ancienne de sang pur. Garde ton contrôle, Aerys, s'il te plaît. Tu ne voudrais pas la revoir d'ailleurs. Garde ton sang-froid. Je veux parler de la voir à travers un microscope. D'accord, il est fou. Laisser pourrir la dépouille d'un spécimen aussi précieux, comme tu peux t'en douter. Nous l'avons récupéré, soigneusement étudié sous tous les angles. C'est vraiment donc toujours horrible, évidemment. Peau, ses organes, le moindre fragment de chacun des os de son corps. Lui, on va le buter. Les anciens sont vraiment des êtres exceptionnels. Tu peux être fier des tiens. Ah bah toi non, hein, pour le coup. Je peux pas être fier de toi par contre, au jour. Ce regard fier, ta mère avait le même. J'y pense, ça va bientôt être l'heure de ma réunion. C'est bien, Hojo. Ne bouge pas surtout, je serai vite revenu. On espère juste que Cloud va réussir à arriver avant. Elle a réussi à maintenir son sang-froid quand même, c'est assez fort. Nous voici au 63e étage. On a 6 étages encore à monter là. Là il va foutre des... Là il va glisser des guignoleries comme ça, j'adore. Ah non, attendez. On se barre là, faut pas que j'aille au 64e direct. Si ? Bah si, apparemment. Mais je comprends rien alors. Ah si, il faut que je monte au 64e pour que je puisse partir après, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Ah non, je suis encore au 63e là, d'accord. Je suis entre les deux. Étage 64, salle de réunion. Bah c'est l'autre, il va arriver là. Merde. Faut que je redescende. C'est bizarre, il me disait de monter tout à l'heure. Je comprends plus rien, moi. Là, il me dit de monter, et là, il me dit plus de monter. Je comprends plus. Là, je suis à la bonne otage. Il y a quelqu'un là, avec qui je suis censé pouvoir parler. C'est louche. Je n'ai pas la carte d'accès, évidemment. Nécessairement. Conference room. Là, j'ai les ascenseurs, je peux pas passer. Oui, donc c'est clairement en bas où il y a des gens. C'est quoi ce trajet de quête pour Ave, là? On va quand même descendre. Hein. Paf, 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 palaf, paf. Station récréative. À vous, je peux pas parler. Non, ça je peux pas non plus. Là, il y a personne. On va regarder la carte. Hein. C'est pas là la carte. Obtenez la carte d'accès du collaborateur présent quelque part à l'étage 63. Étage 63 bas. Mais je dois avoir un étage 63 haut. S'il y a le bas. Comment je fais pour monter ici? Sur l'entre-deux. Y'a pas un grappin, y'a rien. Je te parle pas. Ah non, ils sont tous morts dans le secteur 7 là. Y'a plus personne. Bon, peut-être pas jusqu'à là, mais. On est quand même pas loin non plus. Hein. Je peux pas ouvrir une porte là? Non. Alors. Est-ce que c'est par ici que je peux faire quelque chose? Non. On peut ouvrir la porte là? Plus. Mais. Je suis censé faire quoi moi? Le groupe est parvenu à l'étage 59 en utilisant les ascenseurs et cherche à présent moyen à l'étage 65 pour accéder à l'étage 59. Ouais, là j'avais le choix de prendre les escaliers du coup, je suppose. Ah, peut-être pas, en vrai. Obtenez la carte d'accès du collaborateur présent. Bah oui, mais. Il y a une porte là. Fuck. Il y a une porte. Putain, mais je suis aveugle. Je cherche une porte dans les recoins, mais il y en a une en 6 par 6. Évidemment. Ils ont l'air occupés. C'est à cause du plateau. Comment mesurer la concentration? Ça me rassure. On passera plus facilement inaperçu. Ouais, avec une grosse épée et un bras traillette inaperçu, c'est pas le mot que j'emploierais, mais. Cherchons notre agent. Y a pas l'air d'avoir de garde. On peut desserrer les fesses. Allons-y alors. Bonjour toi. On peut rien te dire. Il nous a fait un demi-tour en mode non. Finalement, je vais pas prendre de café. Si, en fait. Un glaçon, pas un glaçon. Une eau minérale. Maman, non minérale. La porte ne s'ouvre pas. Celle-là, oui. Ça peut bien être notre collaborateur. C'est très joli, ça. Que de s'adresser aux gens qui pourraient lui correspondre. Le mot de passe, c'est Domino. C'est le meilleur. Mais dites-le à haute voix aussi. Bah oui, ça, vite. Cette ambiance horrible me rappelle les prémices de la guerre. Toi non. Ah, toi peut-être. Vous êtes de l'armée? Ah, je vois. Ça doit être dur pour vous aussi. Oui. Vous avez trouvé les coupables, au fait? Pas du tout. Domino? Non, rien. Non, Domino, c'est pas le coupable, Domino. Non, je ne rentre pas chez moi. Domino. Je suis au téléphone, vous le voyez pas? Si, je le vois. Cloud, t'arrives. Même pas il dit bonjour, c'est juste Domino. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Domino. Domino. Il y a 3 gaillards armés qui crient Domino dans le... Là, tu peux me dire quelque chose, quoi? Non. Et non. Ah. Toi. Bien le bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un domino, s'il vous plaît. Je connais pas. C'est le nom d'une pizza ou quoi? Oui, je crois. C'est le nom d'une pizza. Toi, là-bas. Là. C'est toi l'infiltré. C'est toi l'infiltré d'Avalanche. Dame. C'est une catastrophe. Toi, tu me parles pas. Qui es-tu? Aujourd'hui sur le plateau, nous recevons monsieur Heidegger de la Shinra. Ah, le fameux Heidegger. Directeur de la sécurité publique. Oui, concernant l'horrible événement auquel nous venons de. Je sais pas qui passe derrière. La Shinra tient à exprimer sa colère et sa peine. La compagnie ne cédera pas devant ce genre de menace terroriste. Soyez autocréé évidemment. Que les coupables seront retrouvés immédiatement pendus. Nous le promettons. Ah oui, carrément. Aux citoyens de Midgar. Hein? Vous avez compris? Ça donnera des coups d'avalanche. Et non, vous n'avez nulle part où vous enfuir. Mais on ne s'enfuit pas, hein. On ne s'enfuit pas, les gars. Bon, là, il n'y a personne. Comment ça, je fous le boxon? Pas du tout. J'envoie les chaises par terre. Il y a un étage, là. C'est quoi, ce truc? C'est un simulateur. Il permet de faire des combats dans un espace virtuel. Et okay. On peut vraiment devenir fort en faisant ça? Bonjour. Vous voyez pas que je suis en train de faire une pause? Qu'est-ce que vous me voulez au juste? Domino. C'est le meilleur. Ah bah c'est toi le collaborateur. Vous voulez aller en haut, pas vrai? Exactement. Exactement. Avant d'obtenir ma carte d'accès, vous allez me prouver votre capacité au combat. Évidemment. Si jamais vous vous faites attraper, nous aussi, nous paierons le fait de vous avoir aidé. C'est évident, non? Vous avez donc utilisé ce simulateur. Je vous préviens, ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Ah. Si vous réussissez, je vous donnerai ma carte d'accès. Ok, Coco, ok. Qu'est-ce que vous décidez? Vous abandonnez? Jamais. Jamais on abandonne. Je n'ai aucune raison de vous la donner si facilement. Mais tu me laisses aller alors? Ah, il faut juste que je rentre. C'est la version hackée de Trio contre le supporter du maire. Utilisation des objets interdits. C'est quoi la différence entre normal, classique et normal? Mais c'est qu'après je dois pouvoir y retourner avec d'autres personnes. Et quand on aura Aerys, on va devoir choisir. Hop. Tadam. Boum. Petite amarrage. Ah. Ça pique ça. Ça c'est mieux. Heureusement qu'on est en garde. Aïe. Je tape pas. Non, je vais taper lui. Ok, ça fait bien ça. Vite. Alors attendez, je vais peut-être faire choc transperçant. Mais c'était pas sur lui que je voulais faire ça. L'autre il est fragile, ouais là je prends cher. Je sais plus s'ils craignent eux. Ils doivent craindre la foudre ou quelque chose comme ça, non? Compétences. Sachant que je peux pas utiliser de potions. J'ai un certain enfin d'objets. Ils craignent la foudre, ouais, c'est ça. Alors si je pouvais faire en sorte que Barrett me soigne. Aïe. Merci. Mais il me tabasse, hein. Je compte sur toi. Ça va de ton côté. Taf. T'as quoi toi comme... T'as pas la foudre. Toi t'as la foudre. Voilà. Il m'a fait péter une roue. Taper la deuxième. Je suis allé en plein dedans. Aïe. Mais il nous tabasse lui. Je m'en charge. Ok, on l'a soigné. Aïe 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 aïe, mais la parade. Ce qui est relou, c'est. C'est eux là. Hein. Alors on va le tabasser comme ça. Vraiment en tuer un en réalité, en priorité. Pour ça, j'en focus un. Aïe. Il m'a tabassé lui. Wow. Barrez-vous. Sort, on va faire soin sur Cloud. On va se faire extra soin sur nous. Enfin, sur Barrett. Ok. Essaye de le tabasser la rue. Ils nous font dessus. Aïe. Tant pis. Essaye de le taper lui. Ah mais zut. Je m'emmerde. Ok, j'en ai tué un, ça c'est bien. Ben voilà. On va faire vision comme ça, j'aurais activé le machin. Surpuissant. Ok. C'était chaud et en même temps ça allait. Méga potion. Ok, parfait. Maintenant, je suis convaincu que je n'ai pas de souci à me faire. Bah oui, monsieur. Avec ça, vous devriez pouvoir accéder au 64e étage. Vous pouvez même utiliser les ascenseurs. Ah, trop bien. Qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste ? Accéder au 69e. Elle est retenue dans les laboratoires de la Shinra. Je vois. C'est le département du professeur Hojo. Je vous souhaite bien du courage. Mmh. Seule l'équipe de chercheurs du professeur a le droit d'y accéder. Ah. On va réfléchir à un moyen. Où se trouve Hojo? Oh, tu es là, toi. C'est l'heure de la réunion des directeurs. Le président, on l'a vu derrière. Ainsi que Hojo et les autres devraient tous se rassembler dans la grande salle. Shirley. On y va, nous aussi. Si on prend le président. Non, c'est pas si. C'est quelque chose comme ça. Lol. En effet, vous serez immédiatement mis aux arrêts. J'aimerais connaître leur projet. Tu voudrais les espionner. Dans ce cas, je te conseille d'abord de passer par les toilettes pour hommes. Ah. De là, si tu passes par le conduit d'aération, tu pourras observer la salle de réunion. C'est compris. Ok, bah parfait. De nouveaux programmes ont été ajoutés au simulateur de combat Shinra. Certaines récompenses ne peuvent être obtenues qu'en relevant ces défis. Ok, l'utilisation des objets est interdite dans le simulateur, mais les PV et PM de personnages sont restaurés entre chaque combat. Il est impossible de voler des objets avec voler. Ok. Tu travailles là, toi, c'est vrai. Vous voilà. Chadley, voilà. C'est toujours là. Hein. Je suis un chercheur en stage au département scientifique de la Shinra. Tu vas pouvoir nous aider. Allez, au serviteur Hojo. Au professeur Hojo, non? Tu pourras pas? Je ferai de mon mieux pour vous venir en aide. Je détecte un gain de niveau de confiance. C'est bien ça. Essayons de faire vite pour ne pas avoir l'air suspect. Ok. Il n'y a rien, mission VR, t'en as pas d'autres. Ok. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. D'accord, d'accord. J'ai émis un rapport de combat pour une nouvelle matéria d'invocation. Ah, bah voilà. À vous de vaincre l'invocation pour que cette matéria puisse voir le jour. J'en parlais justement. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Et alors du coup, c'est quoi? C'est qui? C'est Léviathan. Oh, c'est le dragon. Mais oui. C'est lui qui était sorti. Parce on avait vu Ifrit, on a vu Shiva dans la cinématique avec Sephiroth et des anciens. Et on a vu ça, bah voilà, on a le Léviathan. Bah lui, on sait ce qu'on fait dans le prochain épisode. J'espère que vous continuez. Oui, on va continuer, ouais. On va continuer dans le prochain épisode, on va donc... Attendez, faut que je sauvegarde un autre fichier parce que... Faut que je garde... Ah non, ça change rien, ok. Ça me garde le chapitre. Ah non, c'est ça. Ça me le met là. Ok. Faut que je garde cette image. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ce sera la semaine prochaine et on s'affrontera donc au Léviathan. Ça m'a l'air d'être un... Je pense que le combat va être compliqué vu la gueule du monstre, mais on va essayer de le réussir. Cette fois, on sera 3, donc ça sera peut-être plus simple. Ciao, ciao tout le monde et à la prochaine.